Comment voulez-vous que je le sache? Laissez-moi partir. Je vais me faire tuer ici. Arrête de crier. Je vais les attirer. Je vous en prie. Je sais pas où il est parti. Je l'ai même pas vu. C'est étrange ça. Parce que ta femme, elle, elle dit qu'elle l'a vu. Et qu'il est parti par là. Ma femme? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Oh, pas grand chose. Si jamais vous l'avez touché. Tu vas faire quoi? Je vous en prie. Je vous en prie. On dirait qu'il dit la vérité, non? Non. T'as de la chance aujourd'hui. Merci. Merci. Tu vois que malgré tout, on n'est pas si méchant. Mais vous allez où comme ça? Par là. Mais vous allez pas me laisser comme ça? Tous les mêmes. Vous êtes jamais contents. On fait des efforts. On vous laisse en vie. Mais ça suffit pas. Attendez! 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 Je pense pas pouvoir faire grand chose de plus. La maladie gagne du terrain. Je vous conseille de faire attention à ce que vous allez dire, docteur. Mais ma science ne me permet pas de guérir un tel stade de putréfaction. Si vous pouvez pas me guérir, à quoi me servez-vous? Mais je veux sûrement faire autre chose. Inutile. Et là avec les autres. Et trouve-moi le sorcier, je vais avoir besoin de lui. Non, c'est plus. Je veux pas de mal. Je cherche juste un abri pour la nuit. Maman, maman, il y a un étranger. Paul, prends le fusil. Attends-moi. Tournez à l'intérieur. Il y a de la place pour tout le monde ici. Je vais juste me reposer un peu et reprendre ma route un peu plus tard. Vous allez où exactement? À Silver. Eh bien, vous pouvez faire demi-tour. Les hommes de Corgan ont pris le contrôle de la ville. Vous êtes sûr qu'il est là-bas? Ça y est, je comprends, ouais. Vous faites partie de ces chasseurs de primes qui veulent choper Corgan.
Eh bien, vous perdez votre temps. Il y en a d'autres avant vous qui s'y sont essayés, sans succès. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est pas les hommes de Corgan les plus dangereux. Ce sont ses esclaves. Ils sont possédés par le démon. Alors partez! Vous êtes tout seul ici. Avec votre famille. Je vous ai dit de pas bouger! Il faudrait mieux de rejoindre votre famille, au lieu de sucer moi. Fais là. Rappo, que tu sur le champ. J'en sais déjà vu, non? Ouais, possible. Peut-être me dire un truc. Oui, je me souviens de toi. Ouais, quelques années, je suis sur les traces de John. Ouais. J'ai changé depuis. Je me suis barré de ce camp il y a quelques années. Pour faire avancer un peu les choses. Pas vous interrompre, Phil. Mais on sait toujours pas ce que tu fais là. James Corgan. On parle. Alors c'est pour ça que tu dois aller dans la ville. Je te souhaite bonne chance. Toutes nos attaques ont échoué. C'est quoi ton idée, l'ami? On le connaît à peine. T'as un autre plan? Je sens pas ce type. Il est trop sûr de lui. Il se fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu d'aide. C'est toujours bon à en prendre. C'est quoi ça? Pourquoi t'es revenu? C'est ce que c'est. Les histoires de famille. Ils savent qui tu es. Tout le monde sait qui je suis. J'y peux rien. Pourquoi vous êtes pas parti? Au nord d'ici, les gens survivent mieux. Il n'y a pas de maladie. Tu crois qu'on n'y a pas pensé? Comment tu veux qu'on parte avec tout le monde? Sans chevaux, sans protection? Et pour ton frère, qu'est-ce qu'on fait?
T'es qui? Ma femme et ma fille. Tu penses vraiment qu'il peut faire quelque chose pour en finir avec tout ça? T'aimerais pas retrouver ta vie d'avant? Une famille? Des enfants? Cette maladie a tué ma sœur. C'est pour elle que je fais ça aujourd'hui. Et tu crois qu'aider ces gens, ça va te la ramener? Non. Mais je veux plus que quelqu'un vive ce que j'ai vécu. À manger au moins plus de force. Paul ne va pas mieux. Je sais très bien ce qu'il a. Puis bon, entre nous, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de rester dehors. Hein. Arrête de parler et ouvre l'œil. Mais même avec son armée, il pourrait nous retrouver. Alors. Ah, tu vas nous porter la poisse! Cette fois-ci, il ne passera pas. T'es pas remis du dernier coup, hein? Je te conseille de la fermer. C'est pas finir de casse-croûte. Ça va, calmos. Tu te souviens quand il n'y avait pas cette foutue maladie? Moi et mon frère, on nous appelait les frères d'éteinte. À cause de notre coup de feu, on était super rapide, en fait. Parce qu'on tirait super vite. Et puis... Alors maintenant, ça a changé. On est devenus les larbins de James. Je suis pas son larbin. Il me paye. Il te quoi? Il me... Vous calmez tous les deux. Il va arriver. Comment vous savez ça? Vous faites confiance à votre nouvel ami? J'ai plus confiance en lui qu'en vous deux réunis. Voilà pourquoi. Vous surveillez. Faire dévorer ou quoi? Mon frère, je t'attendais. Que penses-tu de ma petite armée? Je dois reconnaître que t'as fait fort cette fois-ci, James. Mais c'est fini. Je crois qu'on a déjà eu cette discussion. J'ai tué les autres. Il reste que toi et moi. Je sais. Laisse-moi deviner. Si tu portes ce foulard, c'est que la transformation a déjà commencé, non? Il m'avait dit que ça arriverait. Comment va le vieil Indien? Il rêverait de te voir mort! Ah! 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 Ah!
quelque chose de bon. Ne tirez pas! Elle va bien? Et qu'est-ce qu'on fait de son larbin? On l'embarque, on ne sait jamais. Allez, on bouge. Oh, t'as fini, oui? Bon. T'étais où? On balade. Qui es-tu? Et pourquoi ils t'ont rien fait? Réponds, ma belle, ça vaudrait mieux pour toi. Tu la connais? C'est qui? Oh, tu fais quoi, là? Lâche ton flingue! Tu vois bien qu'elle ne sait rien! Non, au contraire. Dis-moi la vérité. Pourquoi t'es revenu? Pourquoi? Oh, maintenant tu vas te calmer! Elle t'a rien fait! C'est ma femme. Quoi là? Ta femme, t'aurais pu le dire avant. Depuis quand je te rendais compte à toi? On t'aide que je sache. Alors crache le morceau. Elle est morte. Je suis pas si sûr que toi. Pourtant c'est le cas. Ça fait 10 ans qu'elle est morte. Elle s'est donné la mort quand la malédiction est arrivée en ville. Elle n'a pas supporté que les gens soient en partie la cause. Faut y aller. Et l'autre, on en fait quoi? Questionne-le. On sait jamais si il sait où se trouve James. Tu vas quelque part? J'ai besoin de réponse. Et tu vas trouver ça où? Écoute, je peux comprendre que retrouver sa femme morte après 10 ans ça fasse un choc. Mais t'emballe pas, tous ces gens ont besoin d'aide.
Et alors tu vas faire quoi? Tu vas fuir comme tu l'as toujours fait? Sans moi, tu seras encore tout seul dans les bois. Je m'en suis toujours très bien sorti. Mais regarde-les, ces gens ont peur. Toute aide est la bienvenue. Et le fait que je sois le frère de James n'arrange rien. Ces gens savent que je fais partie du groupe qui a lancé la malédiction sur le pays. Si je pars, c'est pour qu'ils arrêtent de me regarder comme un monstre. Je peux pas t'empêcher de partir. Et je peux te demander de revenir. Demain matin, je partirai. Et elle vient avec moi. On verra pour le retour. Je dors pas très bien, général. C'est ce que j'ai vu. Tu te souviens vraiment de rien? Non. Pourtant, j'aimerais. Tu as mal depuis quand? Ça fait quelques jours. Je pense qu'il n'y a rien de cassé. Je peux demander au doc de venir si tu veux. Non, c'est pas la peine. Merci. Toutes ces personnes vous font confiance. Vous êtes quelqu'un de bien. T'en fais pas, il est pas méchant. Allez, en route. C'est mon fils. Ne m'interdis pas de me protéger. C'est le mien aussi. Et je l'aime. J'ai pas envie de vous perdre tous les deux. Oh, s'il te plaît, n'approche pas. Ça y est? T'es réveillé? Je vais te buter! Je crois pas. Bon. On va pas être méchant, ok? Si tu sais quoi que ce soit, n'hésite pas. Par exemple, où est James? Et pourquoi il a fait revenir Tilda? Va chier! Mauvaise réponse. Je crois qu'on est mal parti. Je te présente Buck. Enchanté. Vous saviez qu'on allait venir hier soir. T'es sûr que tu veux pas nous parler? Je sens que ça va être long. Celle à laquelle était enterrée. Je sais pas pourquoi il t'a fait revenir, ni quelle est son intention, mais... Ma femme est morte il y a 10 ans. Si j'avais des réponses, je te les donnerais. Thank you.
va dormir ici ce soir. La nuit va bientôt tomber, ça va devenir dangereux. Pourquoi je suis en vie? Je sais pas. Depuis que tu m'as trouvé, j'ai des souvenirs qui me reviennent en tête. Je vois cet homme avec de la peinture sur le visage. Il parle une langue que je comprends pas. Je crois savoir qui c'est. Mon frère, James. Depuis qu'il est petit, il est adepte de la magie noire. Il a fait beaucoup de rencontres. Un jour, il a rencontré un homme que j'ai jamais vu, mais... Il y a une rumeur qui circule sur lui, comme quoi... Il pourrait ressusciter les morts. Hilda ! Hilda!
bouge pas. Onde eu ato? Onde eu cago? O castigo. Tá. E o da saia vai ter cá. Castigo não, tá. Là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis fait attaquer. Par qui? Les chasseurs de primes. T'es recherché? J'étais pas mal de frayeur. Je sais pas comment je m'en suis sorti. Je viens t'abriter. Merci. Pas la peine de me remercier. Madame Jefferson. Enchanté. Pas de nom ? C'est une bonne idée de traîner dans le coin. J'avais pas le choix. Allez, votre city. Attends-y. Il y a que la mort et la maladie. Je sais ce qu'on raconte sur cette partie du pays. Les morts, les malades, la malédiction. Encore merci. Merci pour votre aide. Les
pas en état de se déplacer. On va le laisser là. Le laisser là? Mais il va mourir. C'est mon problème. Ton frère sera toujours là à ton retour. Je sais que t'as qu'une idée en tête, mais je ne bougerai pas de là tant qu'il n'ira pas mieux. Il est recherché. Et toi, t'es pas recherché peut-être? Ok. On reste là. Mais demain, on lève le camp. Et sans lui. On va partir. Là, maintenant? Je le sens pas. Il y a un truc qui cloche avec ce type. Chasseur de primes? C'est lui, le chasseur de primes. Ça y est, tu te réveilles? Bon, on prend le fric, on se casse. T'as trouvé la fille? Non. Et je m'en fous. J'aime pas ces bois, alors on bouge. Ça veut dire que t'es pas facile à trouver comme gars. Oui, je veux bien croire qu'il fasse ça pour l'argent. Mais toi, j'ai un doute, Jefferson. Si tu fais partie de la famille Jefferson, alors tu fais ce métier seulement par plaisir? Je pense pas qu'on se revoie, Corgan. Alors adieu. On s'est déjà vu? Moi, non.
Mais mon frère, oui. Laisse-moi deviner. Il est mort ? Oui. Tu l'as tué. Je tue rarement les gens bien. Un jour, mon frère est parti avec un gars pour chercher de la nourriture dans la forêt. Quand il est revenu, il m'a dit que vous aviez fait face à une attaque. Il m'a dit qu'on pouvait compter sur toi, que tu pouvais nous aider. Le lendemain, il est parti te rejoindre. Sans m'en parler. Quand je m'en suis aperçu, je suis parti le chercher. Et j'ai retrouvé son corps sur la neige. À côté du cadavre d'un de tes amis sorciers. Il avait une balle dans la tête. La ferme. Il était malade. J'ai dit la ferme ! Ça m'a presque demandé de le faire. C'est pour ça que je l'ai tué. Je lui avais dit de ne pas te suivre. Et tu sais quoi ? Il n'y a qu'une chose depuis ce jour que j'ai dans la tête. Te retrouver. N'avance pas. J'ai dit n'avance pas. Je te dis ne pas bouger, je vais tirer. C'est tout à faire, fais-le. Mais sache que je suis seul à pouvoir mettre fin à ce cauchemar. Va en l'enfer ! J'ai pas le choix. Mais c'est notre fils. Mais tu vois pas que c'est plus lui. Non, ne fais pas ça. Je t'avais dit de le jeter plus loin. Voilà ce que ça sent, un cadavre qui pourrit au soleil. Ton ami devrait déjà être là. On attend. Pourquoi on n'y va pas tout seul? On n'a pas besoin de lui. Sûrement parce qu'on a toujours échoué. Et pourquoi ça changerait maintenant? C'est le frère de l'homme le plus recherché de l'Ouest. Ça fait 10 ans qu'il le traque, alors crois-moi, c'est ce qu'il fait. J'entends des choses. Il est sur le cheval! Je comprends pas. Il devrait être mort. Pourtant, il respire encore. Wyatt! Il doit croire que son frère va bien. Je préfère qu'il le croie. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Le sorcier? Tu l'as déjà vu? Ouais, je croyais l'avoir tué la dernière fois. Ah, visiblement, c'est pas le cas. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse-moi réfléchir. Bon, je vais sortir. Tu me couvres. T'as aucune chance seul contre eux. Je sais. Où est Wyatt? J'espère ne pas m'être déplacé pour rien.
m'occupe du reste. C'est moi qui vais me chercher. Comment t'as fait? Je me suis fait tirer dessus et j'ai même plus une égratignure. T'es mon frère. Tu peux pas mourir. Vous avez rendu la vie à ma femme. À qui je dois dire merci? Lui aussi a une grande magie. Mais pas aussi puissante que ton vieil indien. C'est grâce à lui que je suis pas mort. C'est bien lui. Je devrais le remercier. Merci. Comment tu comptes faire maintenant? Ton corps se décompose et même lui ne pouvait rien. J'avais plus besoin de lui de toute façon. Je t'ai servi de ma femme pour trouver le vieil indien. Dommage que tu n'y aies pas pensé avant. Nous sommes désormais tous les deux des dieux. Regarde-moi! Je suis un dieu! Personne ne peut me tuer! Ah, tu te prends pour un dieu? Tu veux connaître mon pouvoir? Le vieil indien m'a pris le temps de reprendre ce qu'il t'avait donné! Occupe-toi bien d'elle. Allez !